Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Parijs staat wereldwijd bekend als de stad van de liefde, de stad van de romantiek. Maar Frankrijk staat ook bekend als een land van lichte zeden. Fransen zijn met de Italianen de meest overspelige Europeanen. Céline Niederhoffer is een mannencoach. Hij geeft mannen les in flirten en verleiden. En hij neemt ons mee naar, volgens hem, een van de beste Parijse terrassen om te flirten. Il paraît qu'on a cette réputation dans le monde d'être les plus séducteurs avec les Italiens et les Brésiliens. On ferait craquer les femmes plus que la moyenne. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, c'est pas à nous de le dire. Niederhoffer schreef er een boek over en weet alles van Franse hofmakerij. Cette tradition, on pourrait la dater vraiment à partir du XVIIe siècle, vraiment sous le règne de Louis XIV, où là, la cour prend une place mais prépondérante. On repense encore aujourd'hui, on parle encore des maîtresses de Louis XIV, que ce soit la Maintenon, que ce soit Madame de Montespan, qui ont compté énormément et qui ont eu énormément d'influence sur le roi. Mais la cour, c'était les beaux habits, la cour, c'était la nourriture, la gastronomie, la cour, c'était le parfum et tout cet art de vivre. La France, c'est à ce moment-là quasiment à son apogée, ça va continuer jusqu'au XVIIIe siècle. Et véritablement, pendant cette période de libre pensée, le libertinage, vraiment, ça vient de ce moment-là. Franse politici houden tradities in stand. President François Mitterrand, getrouwd, had een buitenechtelijke dochter. President François Hollande, samenwonend, maakte nachtelijke uitstapjes naar zijn geheime minnares. Politicus Dominique Strauss-Kahn, getrouwd, bezocht seksfeesten en prostituees en werd beschuldigd van verkrachting. Dagblad Le Monde publiceerde in januari een open brief van 100 Françaises, onder wie actrice Catherine Deneuve. Ze schreven: mannen moeten het recht houden om ons lastig te vallen. Bonjour. Bonjour. Sonia Bogdanowski was één van de ondertekenaars. Ze is filmeditor. Ze monteert documentaires en speelfilms. Die ene zin in Le Monde, dat mannen vrouwen lastig mogen vallen, dat viel bij heel veel mensen verkeerd. Cette petite phrase sur la liberté d'importuner, c'est pas la liberté de mettre une main aux fesses, c'est pas la liberté de quelqu'un traiter une femme de salope. C'est la liberté de pouvoir se parler dans l'espace public. C'est voilà quoi, qu'on reste dans un espace où il peut y avoir des rencontres, où il peut y avoir de la parole. Moi, je me souviens être allée à Marseille, tout le temps, quand vous marchez dans la rue, des hommes vous disent bonjour, des hommes vous disent vous êtes charmante. Moi, ça ne me dérange pas. Volgens de 100 schrijfsters in Le Monde is er een heksenjacht op mannen ontstaan en worden vrouwen alleen nog maar als slachtoffer gezien. On n'a absolument pas fait un texte qui dise qu'on a le droit de violer les femmes ou de les frapper. Première phrase du texte, c'est « le crime est un viol ». Mais qui dit que nous, on a le droit de ressentir les choses à notre façon. De Franse regering heeft naar aanleiding van het MeToo-debat in sneltreinvaart een wet aangenomen tegen seksueel geweld. La police de la sécurité du quotidien puisse verbaliser le harcèlement de rue et mettre des amendes en cas d'outrage sexiste. Boetes uitdelen aan zogenoemde billenknijpers was zo'n beetje de enige maatregel tegen ongepast seksueel gedrag en seksuele intimidatie. Bij de Franse Adviesraad voor Vrouwenrechten wordt benadrukt dat het probleem veel groter is. Per jaar worden 93.000 Franse vrouwen het slachtoffer van verkrachting of poging tot verkrachting. Een nieuwe wet is niet genoeg. De Franse cultuur moet veranderen. C'est vrai que l'histoire en France de la tolérance à la violence sexuelle existe. C'est vrai. Je ne suis pas du tout dans l'ordre moral, etc. Mais je suis quand même dans l'idée que la seule chose qui compte, c'est la réciprocité. Si j'ai plaisir à ce que vous m'ouvriez la porte, pas de problème. Ça s'appelle la galanterie et ça peut être agréable et j'ai rien contre. Mais si je n'ai pas plaisir, eh bien, à ce moment-là, il faut que vous vous arrêtiez. Et le problème, c'est qu'en France, on a encore besoin d'éduquer à la question de qu'est-ce que c'est que la séduction. Et qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Ronay vindt de nieuwe wet van de regering Macron een lege huls, met vooral goede bedoelingen. Er is meer nodig. Il y a besoin d'avoir à la fois davantage de formation des policiers, des gendarmes, des magistrats
et de l'ensemble de la société, une sensibilisation de toute la société pour redire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et d'avoir davantage de forces de sécurité et davantage de magistrats qui soient destinés à lutter contre les violences sexuelles. Ça, c'est sûr qu'on a besoin. Violette & Co. in Parijs is naar eigen zeggen de enige 100% feministische boekwinkel van Frankrijk. Met heel veel vrouwenboeken. Maar ook met boeken met strips. Sieraden in de vorm van het vrouwelijk geslachtsorgaan. En Parijse lesbiennes met schoothondjes. Anaïs Haddad is voorzitter van een bekende Franse feministische organisatie. Quand on regarde aux postes à responsabilité, aux postes de pouvoir, on constate que c'est majoritairement, mais de façon écrasante, masculine. Et que même sur les postes à responsabilité politique où on voit des femmes, c'est souvent lié à des stéréotypes sexistes, c'est-à-dire on va voir les femmes à tout ce qui concerne la famille, la jeunesse, l'enfance, enfin voilà, les choses où typiquement le féminisme, effectivement. De nieuwe Franse wet zal dat niet veranderen, denken feministes. Het MeToo-debat heeft in Frankrijk wel wat veranderd. Oui, je crois que clairement ça a mis le féminisme à la mode, en fait, j'ai envie de dire, et ça... même si, bon, c'est paradoxal, mais ça permet d'être invité dans les médias, de faire entendre notre parole. En dat maatschappelijk debat is nodig om het dagelijkse seksisme in Frankrijk aan te pakken. Très souvent, quand on va porter plainte au commissariat, soit on rigole, enfin on a des policiers qui rigolent et qui nous disent que c'est pas bien grave, ou qui même vont nous renvoyer à la façon dont on est habillé, pourquoi on était dehors à cette heure-ci, et donc des représentations sexistes qui sont vraiment à travailler.